Salut tout le monde, c'est Eldezo, et on se retrouve aujourd'hui pour le let's play numéro 8 sur Watch Dogs. Ah bah tu tombes bien, ton copain Maurice était justement... Oh, attendez, je vais le laisser parler, c'est pour la suite ça. Il a tout faux, qu'il s'est fait pigeonner par son client, tu parles d'une pleure les cheveux. Dis, ça t'embête si je lui colle un coup de perceuse dans ses rotules? Oui, ça m'embête. T'es tellement prévisible, ça donne pas envie de te rendre service. Justement. T'as besoin d'un service. Je prépare une embuscade. Il me faut des explosifs, tu peux m'arranger ça? Je peux tout faire. Après, si je veux le faire, ça c'est autre chose. Mais attends, tu sais quoi? Ça tombe bien. Laisse-moi récupérer mes potes et je te retrouve là-bas. Donc, pourquoi il veut des explosifs? Quelle embuscade? Et si vous vous rappelez bien, la dernière fois, on avait fait un truc qui était un peu chiant d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais arrêté le gameplay. On s'était... enfin on avait... Où t'es? Attendez. Hop. Et je me suis acheté une compétence qui fait que je peux avoir beaucoup de sous. Du coup j'en profite. Du coup là on va l'attaquer le... Les gangstas qui se trouvent dans les... Dans les espèces de bidons on va dire. C'est pas des bidonvilles, c'est des bidons appartements, des bidons building. Des bidons building on va appeler ça. Donc d'ailleurs, là je viens de vous le dire, j'ai une nouvelle compétence. Donc je pense que je vais faire d'ailleurs une vidéo dessus parce que c'est franchement intéressant. J'avais vu des gens parler de ça mais ils n'étaient pas allés jusqu'au bout. Donc moi ce que je vous conseille si vous jouez, c'est de prendre ces trois compétences là. Franchement, j'ai joué juste 20 minutes là avant de commencer le gameplay et je me suis fait 310 000 dollars. Alors regardez bien, augmente la quantité d'argent obtenu. Ensuite, là ça indique, c'est le petit carré qu'on a vu juste avant quand j'étais en train de rouler. C'est pour dire qu'en gros, la personne a une grosse somme sur elle. Ils disent que c'est pour aussi les systèmes, les véhicules et compagnie. Mais moi j'ai trouvé personne avec des véhicules, j'ai que trouvé des grosses sommes. Et c'est monté jusqu'à, je crois que le plus gros c'était 18 000 dollars. Donc 18 000 dollars en un seul coup, ça fait largement plaisir. Et on en trouve un à peu près toutes les deux rues. Et ensuite, le super boost. Donc je pense que si j'ai gagné... Les 18 000 dollars aussi, c'est parce que j'avais le super boost. Donc du coup, ça me donnait encore plus d'argent. Et là, franchement, c'était le pied. Et donc voilà. Je vais d'ailleurs regarder ce que je peux mettre d'autre. Transformateur coup, point maintenir carré pour surcharger les transformateurs et provoquer d'importantes explosions. Ensuite, désactiver les appels de renfort. Ça, ouais, ça peut être sympa, mais bon. Ajouter un emplacement de batterie supplémentaire. Ça pourrait être sympa aussi. Canalisation de vapeur. Ah, ça, je veux. Parce que je l'ai toujours pas. Ah, j'ai plus de sous déjà. Désactiver les hélicoptères pendant 30 secondes. Oh, ça, je m'en fiche un peu. Je vais prendre ça. Hop. Voilà, normalement, j'ai plus de points de compétence. Oui, c'est bon. Donc, vu que je me suis fait... Enfin, pourquoi je me suis fait 300 000 dollars, bah, c'est tout simplement pour me faire plaisir. Ah, putain, faut pas que j'écrase les gens déjà que... Déjà que j'ai eu un petit problème tout à l'heure parce que, en fait, cet après-midi, on s'est amusé avec un pote et... J'ai tué un peu trop de civils et du coup je me suis retrouvé en mec pas cool, tu vois. Dans le... Ouh, regardez, encore un carré, je vais vous montrer. Pourquoi ça veut pas le pirater? Regardez, regardez. Boum, 10 000 dollars. Je peux pirater la musique aussi, avant je pouvais pas le faire ça. Je peux mettre de la musique. Par contre ça fait chier, je voulais pas de musique. Du coup c'est... pas grave. Donc on a dit on va s'acheter quelques trucs. Donc lance-grenade à tir unique, non moi je voulais l'autre justement. Donc attends, des fusils de précision, fusil d'assaut, je veux aussi des fusils d'assaut. Donc on va prendre revient en bas, on va prendre le plus cher pour voir ce qu'il donne, et l'avant dernier aussi, faut que je me rappelle le gobelin et la CR, je vais essayer de m'en rappeler. Et la dernière fois j'ai acheté le dernier pompe qui est là, mais en fait j'avais pas capté que celui-ci était le meilleur, c'est juste qu'il était en sol, du coup il est en haut, on va le test. Hop. Ensuite lance-grenade, moi je voulais l'autre, celui-ci, il est à 5 étoiles, coûte un peu plus cher, mais c'est pas grave. C'est bon, les munitions sont max, pistolet je crois que j'ai rien à prendre. Avec silencieux, je sais pas si ça, si on tire avec ça, tu te fais remarquer par les patients ou pas, je sais pas du tout.
Oh, le rêve ouvert. Ça y est, j'ai failli l'oublier. Lui, il doit déboîter. Et mitraillette de la MP5, je pensais pas qu'elle... Enfin, je sais pas si c'est une réplique, mais... Enfin, je m'y connais pas énormément en armes, mais pour moi, elle ressemble pas à ça, normalement. En tout cas, la Vector, je l'ai toujours vu comme ça dans les autres jeux. Surtout dans BO2, elle est exactement pareille. Du coup, je vais me la prendre, je vais me prendre la MP5 aussi. Vu qu'elle est mignonne. Qu'est-ce qu'on peut se faire d'autre? Au revoir. Hop. Il me reste combien? Il me reste 110 000 véhicules à la carte. Attendez, je me suis piraté deux comptes. Il n'y a pas une... Ah si, regardez. En plus, il doit y avoir un peu de sous par là. Vous inquiétez pas, juste après ça, j'envoie la mission. C'est juste de quoi se faire de nouveaux trucs. Pas mal pour un gars du sud. Alors, toi, t'as pas de sous. Putain, c'est toujours pour des appels. C'est chiant, ça. Regardez, ils sont tous en train d'appeler. Puis la matinée, il n'y en a pas un seul à pirater. Ils appellent tous, du coup on tombe que sur les conversations téléphoniques. Là, toi. Ouais, voilà, 5 000 $ pour une personne normale. Bon, ça m'arrive, je suis depuis que j'ai ma compétence, une seule fois... Oh merde, elle était Bloom. L'opérateur Bloom. Lâche ce téléphone. Si vous savez pas ce que c'est, ça, c'est tout simplement Bloom, c'est ceux qui peuvent vous arrêter et... En fait, ils appellent en disant « Oui, voilà, il y a un hacker, il m'a piraté, mettez un contrat sur sa tête. » Et du coup, il y a les autres joueurs du multi qui peuvent vous rejoindre dans la session pour récupérer une prime qui a été mise sur votre tête à cause de cette personne-ci. Et là, je vais me faire beaucoup de sous, vu qu'il y a l'autre type juste à côté. Meuf, pardon. Bim, 15 000 $. Bon, on va les retirer. Ça va me faire un peu plus de sous et on va s'acheter une belle bagnole. Non, je m'excuse pas. Donc... Hop, ça me fait 150 000. Qu'est-ce qu'on peut s'acheter comme voiture avec ça? Hop. Bolide lourd. Moto. Je crois que je l'ai jamais vu la Sayonara. Si, peut-être. Je me rappelle peut-être de son... Je vais pas débloquer tout son. Alors, muscle car. Mouais. Je sais pas trop si j'aurais envie d'acheter un truc comme ça. Je crois que celle-là elle me plaisait bien, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit celle-là. On va voir les autres sportives. Ok, ça ressemble à rien les sportives. Mis à part celle... Ouh, comment on l'a celle-là? Vous pouvez débloquer des véhicules en les conduisant ou en piratant les données en des passants. Oh. Ah, c'est dommage. Ah, accomplir diverses activités permet de débloquer des véhicules spéciaux. Celle-là, ça doit être dans une activité spéciale, justement. Je pense, vu qu'elle est assez stylée. Oh, on peut avoir une limousine. Tac, bon, non. On va se prendre un bolide. J'en ai déjà acheté quelques-uns, donc... Ah, les autres, j'ai pas dû les débloquer. Ok. Et celle-là, dans pas longtemps, je l'aurai. L'édition furtive. Et celle-là, qu'est-ce qu'elle fout là? Elle a l'air dégueulasse. Putain. Alors, je sais pas ce que c'est la différence entre la LE et la 350. Celle-là, elle a l'air plutôt pas mal. Si je la croise, il faudra que je la conduise pour la débloquer. Donc moi, j'avais acheté quoi comme véhicule? J'avais acheté la première, là. C'est vrai que c'est des... Je pense que c'est la plus jolie, hein, surtout celle-là. Celle-là, elle a l'air sympa aussi. Vas-y, on va prendre celle-là. Oula, la résistance, c'est pas encore ça. Hein. Donc là, voilà. Et fais voir, il n'y a pas moyen... Comment on fait pour croire commander? Ça y est, ta caisse est prête. Hey, c'était rapide, hein. Oh, ça, c'est cool. Hop, c'était quoi ce truc violet, là? Ah, c'est pour... Je vois pas ce que ça a fait. Ah, c'est une filature en ligne. Ah, elle est sympa. Mais c'est dommage qu'on puisse pas changer la couleur. Parce qu'en orange, elle était encore plus sympa.
Allez, maintenant on va aller dégommer tous les mecs là. C'est ici. Hop. Oh non. Voilà le chauffard. Il a l'air sympa. Je savais pas du tout comment on faisait pour avoir les bagnoles, maintenant ça y est, je sais. Juste de le découvrir, faut juste appuyer en fait sur croix, putain, je sais pas conduire, du moins j'y vois rien. En plus j'ai un peu la... j'ai un petit mal de crâne. Ça se trouve je vais me la chier la mission. Centrale, on a retrouvé le suspect, on intervient. De quoi? Suspect de quoi? Putain, c'est mon merde. Allez. Oh, je t'ai rien fait moi. Bon, mais ça sert à rien. Allez-y, bloquez les flics. Ah, ça y est, j'ai plus de... j'ai déjà plus de trucs pour... Ouais, il faudra que je me mette une barre de plus pour mon portable, parce que c'est le bordel à chaque fois. Ça part trop vite, les... Oh putain, il y en a encore deux d'ailleurs. Ah, j'ai perdu mon pare-choc avant. Ah, elle est sympa, ça, elle va vite et elle est bien contrôlable. Et en plus de ça, elle est stylée. On va juste voir s'il n'y a pas moyen de changer les couleurs. On va lui rentrer dedans. Rentrer dans qui? Non, rangez-vous. Ah non, ils sont passés. Ah non, les enfoirés. Canalisation. Ah, j'ai plus assez de trucs, j'aurais pu tous les faire péter là. Je suis rentré dedans. Je suis vraiment mal là. Je vais attendre... Oh, oh le sandwich. Oh le sandwich. Oh les enfants. Ah, c'était bien joué, excusez-moi, ce qu'ils m'ont fait. Un catin. Ça, il me faut deux barres, il me faut deux barres. Venez à côté de moi, là. Ah, je suis fort. Là, voilà, j'ai deux barres. Là, on fait une petite marche arrière. Vas-y, on va dévaler. La doublette. Ah non. Il suffit qu'un seul. Je vois un loga se faire avoir. Stop! Je vous dis d'arrêter tout de suite! Bon, on va revenir après pour la mission. N'y aggravez pas votre cas! Rendez-vous! Tout de suite! Non, attends. Attends, mais si. On retourne. Je vais lui rentrer dedans. Ouais, faut que je fasse gaffe, sinon je vais exploser. Putain, c'est vrai que cette voiture, elle a pas... une résistance géniale. Ok, ça va exploser. Ça m'emmerdera un peu de mourir maintenant quoi. Rangez-vous sur le côté, tout de suite. C'est ça. Et voilà. Ah non, il est passé. Et voilà. Attention, plusieurs unités sont en route vers la position du suspect. On dirige à l'ouest de votre position. Je les neutralise et ça arrive encore plus. Tu rigoles ou quoi? Ah, je crois qu'on a un léger souci là. C'est vrai que c'est pas loin. Yeah, piratage. Bien sûr. Écoute, j'espère abandonner le on va inspecter les environs. Ou la religion du gars. Sors sur place et on approche. Centrale, on l'a perdu. On laisse tomber. Ah, voilà, c'est bon. Tant qu'ils disent qu'ils laissent tomber, normalement après c'est bon. Oh, je suis désolé, hein, je fais que des conneries. Normalement là j'aurais beau être à côté d'eux. Ils feront rien. Oh. Vous voyez quand je vous dis qu'on en trouve assez souvent. Ils sont juste à côté de moi, si je pique une voiture à côté. On va faire comme ça. Non, disponibilisation précédente à proximité. Mais elle est foutue mec. Elle est complètement démontée. Oh, ils sont assez loin, ils me verront pas. Non, reviens, je l'aime bien ton petit pick-up. Faut rien, pas grave. Prendre le truc allez de plombier, ça ira très bien. C'est bien, Albert. Je vais pas loin, de toute façon, tu pourras la reprendre. C'est vrai que c'est un jeu vidéo. Hein.
Non, ça fait vraiment un gros bâtard. Pourquoi ils font contourner alors que c'est juste là? Allez, c'est parti. Là, par contre, il y a de la grosse mission. Je pense qu'elle va durer bien longtemps, celle-là. Passe par derrière, tu verras. Oh. Comme je te l'ai dit, j'ai amené des potes. Oh merde. Je croyais que tu parlais des explosifs. Ah non, non, j'aurais dit les filles. Mais j'en ai aussi. Bon, j'ai besoin d'elles. Faudrait trouver un moyen d'impliquer ces gars dans une sorte de fusillade entre gangs. Ça m'enlèverait vraiment une épine du pied et... Et puis tu me dois bien ça. Je te dois rien du tout. Bon allez, passe-moi des explosifs, quelque chose de pratique. D'accord. Ces deux sacs à foutre, c'est les restes d'un contrat gabonais. Si tu savais comment ils comptaient me buter. Je suis au volant d'un putain de tank, une grosse cylindrée des 70s. Tu sais, du temps où un accident de la route, c'était une putain de boucherie. Dépêche. Bref, ces deux guignols décident de me rentrer dedans. Avec une chiotte écolo à la carrosserie tout en plastique. Et là, j'entends une sorte de « ping » et je les vois percuter une camionnette. Tiens-moi ça, tu vois. Génial. Merci. Ça, c'est pour toi. C'est une bombe adhésive. Regarde. Ça colle. Cool, hein? Bref, ces deux connards sont là à compter leurs dents. Et je sais pas si je dois marrer ou leur gueuler dessus tellement ils ont l'air pathétiques. Alors finalement, je sors mon 45 et je les transforme en passoire. Voilà, tu sais tout. Bon, tu veux bien t'en occuper? Non, pas question. Ou alors on fait ça? Comme ça? Ouais, ce sera une sorte de... d'entraînement. Eh les gars, vous en dites quoi? Jordi. Parfait, j'adore. J'ai pas besoin de m'entraîner. Attends, je m'éloigne un peu. Jordi! Ce mec est complètement taré, ça me fait marrer. Donc, comment on fait? Où c'est qu'il me les a foutus? Engin explosif. Ah, ils sont en bas. Les EEI sont de bombes adhésives. Ah, les EEI, c'est des bombes adhésives. Je croyais que c'était une EEI, moi, quoi. Bref, équipé dans la roue de sélection, maintenez R1 pour viser et relâcher pour lancer le I. On peut annuler, ça c'est cool. Maintenez carré pour faire exploser le I. Appuyez sur triangle pour ramasser les EI non utilisés. Ça c'est sympa. Alors c'est quoi que j'ai sélectionné? Débloquer les compétences pour fabriquer cet objet. Et j'en ai déjà. Ah non. Ouais, t'es bien mignon, mais si je peux pas l'utiliser, je fais comment? Ça, c'est pas une EI. Non, blackout. Et comment je fais? Faut que je débloque les compétences. Ah ouais, ok. Ça, je le prends. C'est bon, je suis déjà au max. Grenade à fragmentation, brouillage. Ok. Leur brouillage, leur. Brouillage, EEI, débloquer les compétences. En gros, ce qu'ils essaient de me dire, c'est que je peux pas utiliser l'EEI là. Donc cette mission ne sert à rien. T'es parti où mon gros? Il a dit qu'il se reculait juste un peu, tu parles. Comment je fais? Non, je suis avec mon flingue. Si je le fais. Je vais le faire avec des grenades. Hein. Non. Comment on fait déjà?
J'ai pas utilisé des EI mais ça a marché quand même. Putain, c'est débile je trouve ça. On va ranger l'arme. Ça c'est trop kiffant. Comment ça snap trop de coups. Hop les 13 000 $. Apparemment c'est pas une zone interdite. C'est là que les hommes d'Irak veulent descendre au Bedbug. Sauf que ça compliquerait mon plan. Ok. Je vais leur tendre une embuscade et me débarrasser d'eux. Irak le saura, la réputation de Bedbug va monter. Et là, il sera à moi. C'est pas une zone... Apparemment non. C'est abandonné. Mais il doit rester des caméras de sécurité. C'est chiant, je peux pas utiliser mes EI quoi. Attendez. J'ai pas... Non, j'ai pas de points de compétence. Ça coûte combien, cette connerie? C'est où d'ailleurs? R1 combat. Là, je vois pas le signe des EI. Ah, ça va être là. 2. Putain, ça fait chier. Bref. Pourquoi il y a écrit R1 EI? Si je peux les utiliser. Ok. Je suis pas doué. Irak, il a séparé les Viceroy en deux groupes. Nous, on fait le taf sur le terrain, mais on a que deux moyens de s'en sortir. On cercueille. Trouver. C'est belle. Alors c'est où la vidéo de caméra surveillance? Il devait pas parler de la caméra tout court. La vidéo de sécurité. Grue, caméra, chariot élévateur. Quitter. Je vais pas regarder cela. Qu'est-ce donc? Amende pour détritus sur voie publique, 125 $, canette de soda. C'est quoi cette connerie? Pourquoi il me fout un truc là? Bon, ok. Ah, c'est peut-être celle-là. Que nenni. Donc là il y a les stores. Placement probable d'un garde. Ça m'énerve. Donc... Ah ouais, ok, j'ai compris pourquoi il mettait ça. C'est pour tous les emplacements, c'est là où seront les gardes quoi. La vidéo de sécurité pour planifier, mais où c'est que tu veux que je la trouve? Ah, il y a un autre bâtiment par là-bas. Rien du tout ici. Là, c'est fermé. J'arrive à l'hauteur, emplacement pour l'homme de garde. Hop, on va monter ici. Ah. Pourquoi ils m'ont mis un truc chou? Dès que je me suis mis là. Ils m'ont dit d'atteindre ici.
ici. Ah. Oh putain, c'était tellement facile. Pas encore. J'essaie de savoir où ces types vont se retrouver pour pouvoir leur faire une petite surprise. Oh, des pièges, c'est bon ça. Je vois ce qu'il veut faire. Compte, j'ai pas très bien retenu, mais je sais pas où il faut mettre. Donc, c'est R1 pour poser. Bien ici. Ah, il y a des flèches en plus. C'est nickel. C'est même peut-être un tout petit peu trop facile. Pas de flèches, non, c'est bon. Il me demande d'en poser un sur le bureau, quoi. C'est où elles sont? Je sais qu'il y en avait là. Il y en avait d'autres pas loin. Là. J'ai encore du temps. J'en ai plus là. Où est-ce qu'il en reste? Oh, c'est trop loin. Plus t'es, j'enlève cette protection, sinon ça va les protéger. Y'a pas d'autre quelque part? Vu que je suis aveugle, je serais capable de pas les voir. Pourquoi il y a écrit? Non, c'est pour monter. Ça, ça va être des munis. Bon, ben, carré. Merde, j'aurais dû trouver un poste d'observation. Ici c'est un peu trop facile. Je suis sûr et certain qu'on va me griller. Putain, ils sont là. Alors là déjà je peux tous les faire péter ceux-là. Si je dois attendre, je vais attendre qu'ils se placent tous. Ouais, tu vois, ils se placent pile poil là où j'ai posé les bombes. C'est pas du tout ce que je voulais. Thank you.
va essayer les nouvelles armes. On avait dit le ATC. Ouais, super. Bref, j'ai compris. Oula. On voit des cartouches en plastoc ou quoi? C'est un pistolet à billes le truc. Putain, il est pas mort. Putain, il appelle encore des... Ah merde! Tu es juste à côté de moi. Ah merde, merde! Oh, trop stylé. Celle-là, je l'avais jamais faite encore. Donc, ensuite, on a acheté la gobelin. On va essayer sur toi, la dernière victime. Ah, Raphaël le 3. Ouais, 3. Ça fait mal. C'est bon. Allô? Tes copains peuvent pas venir te répondre là. Ils sont morts. De quoi? Hé, hey, y a encore un mec debout? Y a quelqu'un? Allez, merde! Oh putain. Si je le laisse s'enfuir, il dira tout à Irak. Et Bedbug finira par se faire tuer. Vite, 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 il y avait une moto. T'es où la moto? T'es où? T'es où? T'es où? Là-bas. Oh putain, il part super loin en plus. Tire des munitions capables de traverser des surfaces fines vous permettant d'éliminer les ennemis. Ok. Donc là on pirate, les voitures elles sont intactes là ou quoi? Un 4x4 ici, oui. Ah, je vais bien essayer la voiture. J'ai pas piraté? Allô? Tes copains peuvent pas venir te répondre là. Ils sont morts. De quoi? Y'a encore un mec debout? Y'a quelqu'un? Allez, merde! Si je le laisse s'enfuir, il dira tout à Irak. Et Bedbug finira par se faire tuer. Ah, son style, les voitures, quand même. Pirater toi. Oh merde, on va faire descendre sa réputation. Là c'est par où? Putain, ça fait chier, y'a pas les trucs pour dire par où ils sont passés. On a trouvé. Toi, dès que je peux, tu vas faire un vol plané. Et y'a rien pour l'arrêter encore. Et voilà. Je suis un peu défoncé moi aussi, mais... Avec le petit gars en or. Et voilà.
c'est pas ça, non? Oula, c'est quoi ça? J'ai pas vu de nouvelle mission longtemps. Ah oh, putain, fais chier. Chaque fois je tue les citoyens. Les petits raccourcis, c'est raccourcis de paysan, wesh. Non, le pont il est là. Ah merde, c'était pas un pont. Allez à l'endroit où se trouve Bad Boy. Je l'ai pas vu s'afficher tout à l'heure. Oh non! Putain, faut que j'arrête. Et puis tu sais, si on fait que descendre, avant j'étais... c'était tout jaune, c'était tout beau. Les gens ils disaient « Ah, c'est le héros qui passe à la télé !» Maintenant ça fait plus... Ouais, d'ailleurs tout à l'heure c'est la première fois que ça me l'a fait, je sais pas si vous... ça vous l'a déjà fait, si vous avez joué à vous aussi. J'ai eu un écran de télé en plein milieu en bas, qui s'est affiché. Et il y a... Et en fait c'était les infos et il me faisait passer en disant « Oui... tout le monde commence à détester Aiden Pierce. » Et là tu voyais tout le monde, j'étais en plein milieu du centre-ville, il y a tout le monde qui commence à sortir son portable. J'avais au moins 3 ou 4 points d'exclamation jaunes là en me disant « Attention, lui il va appeler les flics !» J'ai dû intercepter tout le monde quoi. Il n'y a personne qui m'aimait. Et c'est assez chiant faut dire. En fait c'est l'inverse de GTA. Le but c'est pas d'être un gros terroriste, le but c'est de passer pour un héros devant les gens. Je viens d'offrir à Bedbug la réputation dont il rêvait. Je suis trop con. Alors ça c'était vraiment tellement, mais alors vraiment débile. Oh là là. Je m'arrête devant lui. Le pire c'est que j'ai regardé. Dans ma tête ça fait. Est-ce qu'il faut que je m'en aille? Putain là j'aurais juste à tirer quoi. Ils sont trois. Je vois pas pourquoi il fait pas plus simple quoi. Moi je prends un otage direct. Je me ferai pas chier. Alors lui, c'est un soldat. Lui, c'est celui qui peut appeler des renforts. Et lui, il peut aussi en appeler, ça va être Irak. Allô ? Oui, tu m'as raccroché au nez. Putain de merde ! Mais t'es qui, toi ? Un player comme un autre. J'ai un boulot pour toi. Attention, c'est pas un boulot pour Tyrone, c'est un boulot pour Bedbug. Je te rappellerai. Non mais putain, c'est quoi ce délire là? Arrête! C'est tout? Ouais. Tu vois? Non, en fait, c'est pas. Voilà. Y'a quelqu'un après moi? Non. Ils sont tous morts! Ouais. Faut que vous m'aidiez, les gars! Hé, hey, mais mec, t'as complètement craqué! Qu'est-ce que tu racontes? Non, pas pour rien. Non, non! Attends, attends! Mon pote, qu'est-ce que t'as à faire? Merde. Pirater le terminal pour afficher les informations de chantage de Bedbug. Ouais, c'est là. Putain, mais merde! Tu prends la part direct? Non, 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 arrête! T'occupe pas direct, occupe-toi de moi. Non, et on dirait que le club n'est plus con. Oh. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu seras mes yeux et mes oreilles à Rossi Fremont. Non, jamais, mec, Irak va me tuer! Ah ouais? Non! Efface tout ça, s'il te plaît! Sois un bon petit indic et je fais tout disparaître. Je te rappelle. Ouais.
comprendre tout ça. Mission accomplie. Et maintenant, j'ai débloqué un morceau. Intervention justicier. Alors, acte 2, 9 sur 15. Putain, il y en a encore beaucoup. Je sais pas combien il y a d'actes en plus. Il y a sûrement quelqu'un qui va m'appeler. Voilà. Pourquoi t'arrêtes pas de m'appeler? Tu vas me faire tuer, putain! Dis-moi comment je peux approcher Irak. Y a pas moyen, mec! Laisse tomber, c'est cramé! Il sort jamais de sa planque! T'es sûr de ta réponse? Attends, attends! Les enchères! Il sera aux enchères de Queen! C'est quel genre d'enchères, ça? Du genre privé. C'est pas vraiment une vente aux enchères normale, tu vois. Faut une invitation. Cool, tu vas m'en trouver une. Attends, t'as cru que j'étais qui? Ok, ok. Je te rappellerai. Tiens-toi prêt. Cool. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais la voiture est arrivée bien plus vite que dans GTA. Attends, avant qu'il réponde, hop, les... Comme ça, on va pouvoir rouler pendant qu'il parle. Comment ça s'est passé? T'as trouvé un moyen d'entrer dans l'immeuble d'Irak? Ouais, j'ai convaincu Bedbug, il attend plus que mon appel. Parle-moi de la carte d'accès qu'Irak portait. C'est le seul moyen d'entrer dans cette salle. C'est une radio étiquette. On pourrait la cloner, mais tu dois t'en approcher de très près. Irak va assister à une vente aux enchères. C'est l'occasion ou jamais. Oui, les enchères. Tu te rappelles de la mallette qu'Irak avait avec lui? Difficile à oublier. Il a fracassé le crâne de ce type avec. C'est ça. Il a dit que sa liste des invités était à l'intérieur. Tu peux me remercier parce que je l'ai suivi. Attends, laisse-moi regarder. Alors ça, c'est bien joué. Si on récupère cette mallette, tu penses pouvoir me trouver un nom sur la liste? Un nom que je puisse emprunter? Je pensais justement à ça. Je t'envoie les coordonnées de la mallette. C'est bon? Hop, allez, c'est parti. En fait, on en est loin encore de l'attaque de gang et compagnie. Il faut que je sois prudent. Si une chose est sûre, c'est que Damien restera pas les bras croisés. Il a ses propres plans. Bon, pour l'instant, il me faut cette mallette. Suivez la mallette de la vente et soyez attentif d'éventuels échanges. Je t'explique l'importance de la mission. Tu vois cette mallette que tu transportes? Elle contient pas que des noms et des invitations. Elle contient l'avenir de notre profession. Vérification d'antécédents, indiscrétions, tendances. Tout ce dont Queen a besoin pour s'assurer de la loyauté de ses invités, compris? Alors t'as intérêt à en prendre soin comme si elle était remplie d'or. J'aime pas les missions comme ça. J'espère qu'elle va pas être trop longue. Alors tu vois la mallette? Oui, elle se déplace. Attends. J'y crois pas. Quoi? Les hommes de Queen essayent de faire un truc très old school. Un échange de mallettes. Non mais sans deck. Ça marche vraiment ces trucs-là? Je sais pas, j'en ai jamais vu en vrai. Pourquoi ils font ça? Ils espèrent tromper le CTOS? N'importe qui pourrait voir l'échange sur un moniteur de surveillance. Ils veulent perturber le logiciel de détection. Intéressant. Je te jure, c'est vrai. Je l'ai entendu. Texto, il a dit, si vous la voulez, allez-y, elle suit. Super. Mais on est toujours coincé avec elle. Je crois que j'ai entendu un truc d'un passant qui était pas très classe. Thank you.
était sur un bateau qui remonte le fleuve. Je vais utiliser ma moto pour le suivre. Je peux peut-être voir où il dirige. Attends une seconde. Qu'est-ce qu'on a pas loin? Je l'ai pas, si moto, elle est derrière. Il y a tous les autres. Ils vont sûrement refaire le coup à un autre endroit. Ok. Non. Non. Oh, 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 oh. Là, la vieille marina. Achetée par Lucky Queen en 1967. Hop. C'est forcément là. Apparemment, elle est fermée au public depuis les années 80. Putain, il va vite en plus. Ah, c'est bien cool. Hop, 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 le bagnole. Oh là là, mais je vais passer vite. Allez, allez, toujours plus. Doucement, c'est une carte. Arrête! Je me fous dans les trucs à chaque fois, je suis nul. Ah. Il va aller jusqu'où comme ça? Si je fais le tour des 4 îles, ça va le faire. Merci d'avoir esquivé, ça m'empêche de niquer ma réputation. Esquivez s'il vous plaît. Oh, c'est dommage. Oh merde. Oula. Si j'avance comme ça, non? Faut un des caméras, mais j'en vois aucune.
fait. Ah bah je passe pas par le même endroit cette fois-ci. Mais là dès que je vais passer la ligne, lui... Alors est-ce que j'ai mon truc silencieux? C'est celui-là. Là, au moins, c'est réglé. C'est le M107 qui est bien. Merde. Juste... C'est bon, je peux avancer. Et sors. Alors, point rouge. J'ai une petite idée. On va se planquer ici pour le moment. Ah, je peux pas choper d'autres caméras? Ah si, là-bas. Le seul qui a pas de grenade sur lui quoi. Ah je peux pas attendre de l'autre côté. Donc on va se mettre au petit flingue. Qu'est-ce qu'on va faire? Hop les... Non. J'arrive pas à voir ce que c'est. Oh putain. Fallait qu'il se parle de l'autre côté quoi. Ouvrez l'œil, lâchez rien. Ça c'est cool ce petit flingue au final. Par contre faut bien viser. Hop les... Qui est là? Hé hey, montrez-vous. Voilà. Plus qu'un. Enfin non, plus que deux. Cela on s'est fait au snipe. Hop les... Il en reste un dernier. Là-bas. Plus personne. Hop, on prend le petit flingue. On va prendre celui en or. Parce que c'est plus glace. Hop, voilà. Alors... La caméra sert à rien. Et bien voilà. Je vais t'envoyer la liste des invités. Je sais pas ce qui se vend aux enchères, mais le club ne prend aucun risque. La sécurité sera renforcée. Bon, il te faut une identité crédible. Pas celle d'un client régulier. Quelqu'un qu'ils ne pourront pas reconnaître. Peut-être un étranger. Ok. Voilà. Tu peux te faire passer pour un... un Monsieur Ping. Non, je pense pas. Y a pas un Européen? Nicolas Crespin. 32 ans. Américain expatrié. N'est pas revenu depuis 12 ans. Eh ben voilà. Oh la vache. Il y a une liste de ses préférences. C'est un malade ce mec. Et blindé de pognon. Eh ben il manquera à personne. Qu'est-ce que tu veux dire? Clara, si je vole son identité, je peux pas le laisser griller ma couverture. Je peux pas le laisser en vie. Oh. Non, j'imagine que non. Clara, ma sœur a disparu. Et je suis prêt à tout pour la retrouver. Si c'est trop difficile pour toi, tu peux encore arrêter. Je comprendrai. Non, ça va. Ah, stylé. Cette ordure manquera à personne. C'est lui qu'il nous faut. Il est censé récupérer une voiture chez un concessionnaire. Ok. Je vais l'attendre là-bas.
piste, mission réussie. Donc moi les gens, je vais vous laisser sur ça. Donc on se retrouve pour la suite de cet acte dans pas longtemps. Donc dans 12 heures, de toute façon je sors toutes les 12 heures en game. Toutes les 12 heures en let's play. Donc je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo si vous l'avez aimé. Et ciao tout le monde.